Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait vraiment super plaisir de vous retrouver ce soir afin de vous présenter les prochaines modifications qui auront lieu à l'occasion de la mise à jour 2.2.0 du 12 avril prochain. Donc en gros, nous avons retrouvé Dige en compagnie de Lars Bacon, le lead designer, donc spécialiste du PVP, en compagnie également de John Wisniewski, qui est le senior designer spécialiste des armes, et Grant McKay, le designer qui nous parlera des documents. Donc pour commencer, quelques informations, la mise à jour d'avril devrait permettre à tous les joueurs, même ceux qui évoluent en solo, d'atteindre le niveau maximum, à savoir 335, et il est prévu que cette mise à jour vous permette d'avoir beaucoup plus de récompenses que précédemment, puisque par exemple les loots légendaires seront augmentés dans le tableau final des modes en épreuve. Et donc on commence tout simplement à faire le tour de quelques nouvelles informations en PVP, à commencer par la revive qui sera beaucoup moins puissante qu'avant, c'est-à-dire que lorsque vous allez ressusciter, cela vous demandera beaucoup plus de temps et cela vous demandera également d'être plus proche de la personne à ressusciter, vous ne pourrez donc plus le faire en sprintant. Et petite information au passage, lorsque vous êtes en mode Osiris, 7 secondes seront désormais nécessaires pour réanimer votre collègue, à savoir que s'il meurt une deuxième fois dans un même round, 7 secondes supplémentaires seront cumulées, c'est-à-dire qu'il vous faudra 14 secondes pour le réanimer, et ainsi de suite, 21 secondes, etc., etc., puisqu'il s'agira d'un temps additionnel au sein d'une seule et même manche. On poursuit avec les munitions spéciales, et oui, à cause du brise-glace, le patch qui avait été apposé sur les munitions spéciales est dorénavant annulé, retour donc au basique. Il faudra donc comprendre que dans tous les modes PVP, vous commencerez avec des munitions spéciales. Autre information, le spawn des munitions spéciales aura lieu à 3 minutes et le second spawn arrivera 2 minutes plus tard, c'est-à-dire à 5 minutes de temps de jeu. On va maintenant parler des munitions lourdes, elles ne vont spawn maintenant qu'une seule fois par match au bout de 5 minutes, excepté pour le jugement d'Osiris et le mode élimination où le système de spawn des munitions lourdes ne changera pas. On parle maintenant d'Osiris, ce mode de jeu qui va vous garantir du loot en 335 chaque semaine en allant tout simplement au coffre de Mercure. Vous aurez donc un item garanti au niveau 335. En revanche, lorsque vous réalisez des contrats d'Osiris, le niveau maximum des items sera quant à lui garanti à 330. Autre possibilité, réaliser les contrats hebdomadaires de Lord Shax peut vous garantir du loot en 335, à condition bien sûr, je l'imagine, de réaliser un certain nombre de contrats hebdomadaires dans la semaine. On parle maintenant de la bannière de fer où le loot en 320 sera garanti pour les reliques et pour les spectres à partir du rang 3 de la bannière de fer. Les contrats également seront simplifiés puisqu'il y a par exemple un contrat qui nécessite de réaliser 2500 points qui va passer à 1500 points nécessaires. Donc on va pouvoir avoir une bannière de fer encore plus simplifiée que les précédentes. Et on attaque donc maintenant la deuxième partie de cette vidéo et on va parler des armes, le sujet le plus attendu. Alors il y a beaucoup de patchs sur les armes, à commencer par les fusils automatiques. Ceux qui ont une cadence rapide verront leurs dommages augmenter et ceux qui ont une cadence faible verront leurs dommages réduits. Les fusils à impulsion, quant à eux, subiront un petit buff, surtout pour les fusils à impulsion à cadence lente qui deviendront plus puissants. Les revolvers, quant à eux, se verront augmenter au niveau de leur stock de munitions, mais pas au niveau de la capacité du chargeur. Les fusils à fusion vont être améliorés, ils auront plus de stabilité, moins de recul, et les projectiles en tir groupé auront une fusion beaucoup plus cohérente, ils seront donc beaucoup moins éparses. On passe maintenant au sniper, le zoom à distance va être augmenté afin de pallier à une utilisation qui semble fortement employée à moyenne portée, ce qui n'est pas le but premier du sniper. Donc afin de rendre sa véritable signification au sniper, le zoom va être augmenté. Petit changement également au niveau du snapshot qui sera nerf, qui passe de 20% à 30% au niveau de la vitesse. Changement qui n'est pas conséquent mais qui peut tout de même se faire ressentir, d'autant plus que la stabilité des snipers de façon générale a été diminuée. Et on passe maintenant au sujet le plus attendu, les exotiques, et on commence avec une petite information. Depuis les récentes mises à jour, les deux armes exotiques les plus populaires, sans surprise,
sont le vue d'aigle en première position et l'amida en seconde position. Et puisqu'on parle de l'amida, pas de changement majeur hormis la disparition du perk caché munitions de gros calibre. Concernant l'exotique Suros Régime, le perk cycle infernal sera désormais modifié. Il vous faudra 4 secondes de tir pour pouvoir voir la cadence de votre arme augmenter. Et de surcroît, la portée a également été augmentée lorsque vous êtes en tir concentré. On passe maintenant au rapace noir. Sa portée et sa précision ont visiblement été fortement augmentées. En revanche, concernant le dernière parole, la perque dernière parole a été fortement nerfée. Ses dommages sont réduits et il vous faudra dorénavant 3 tirs pour éliminer un seul et unique gardien. On continue avec le chardon, ce tant attendu chardon. Il ne sera pas disponible en version année 2, il va rester tout comme le brise-glace en version année 1. Toutefois, il a été fortement nerfé puisque les dommages, la durée et l'intensité du poison a été visiblement sensiblement diminué. On va parler du brise-glace qui restera, comme je viens de vous le dire, en version année 1. Switcher d'armes ne donnera plus de munitions, donc le glitch des munitions a été patché également. La distance de zoom a été augmentée comme pour tous les snipers, donc pas de changement majeur au niveau du brise-glace puisqu'on le sait, il est assez difficile d'intervenir sur la capacité de base de rechargement automatique de cette arme. Malheureusement, on ne peut pas vraiment changer cette capacité, sinon on annulerait complètement la personnalité de cette arme. D'autres informations, notamment au sujet du télesto, puisque les projectiles ont été fixés, on ne peut plus tuer par exemple ses ennemis accidentellement avec l'explosion des charges. Comme on l'avait vu, c'est ce qui concernait un petit peu tous les fusils à fusion concernant les projectiles en tir groupé, ce que je trouve être une bonne chose. Pas d'autres changements en revanche concernant ce télesto. Du gros changement en revanche en ce qui concerne la promesse du rebut, les projectiles devraient suivre beaucoup plus efficacement leur cible, donc on parle déjà sur les réseaux sociaux du futur gun favori. Ça reste à voir, mais ça ne me surprendrait donc pas que l'on voit beaucoup plus de promesses du rebut prochainement en PVP. Quelques autres modifications dans le domaine des armes, par exemple, les armes de la chute du roi verront leur vitesse de rechargement fortement augmentée. La stabilité sera augmentée pour l'angoisse de Dristan. Le stock de munitions sera diminué pour le vue d'aigle. Ça, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Et enfin, l'arrêt de Kilim sera nerfé au niveau de sa réserve de munitions dans son inventaire. Donc j'ai fait le tour de toutes les prochaines modifications concernant les armes. Ce sera bien évidemment mis en place à partir du 12 avril prochain. Donc ça, c'est un petit clin d'œil puisque j'ai vu sur les réseaux sociaux notamment que certaines personnes disaient par exemple avoir déjà vu la nouvelle épée abyssale. C'est absolument faux puisque le patch n'a pas encore été déployé. Donc faites vraiment très attention à ce qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux. Et enfin, dernière partie du live, on va donc pouvoir parler de la doctrine de l'arcaniste. On commence avec le champ solaire, le bouclier de braise verra sa fréquence réduite, il sera donc disponible beaucoup moins souvent que d'habitude. La renaissance ardente durera beaucoup moins longtemps, les dégâts du brimstone seront augmentés et enfin, dernière nouvelle, les grenades à décharge ne seront absolument pas nerfées puisque Bungie a précisé que cette grenade est tout simplement la grenade de base de la doctrine, son identité première et qu'il ne comptait pas agir sur cette grenade ni la nerfer prochainement. On passe maintenant à la doctrine abyssale. Alors grosse information, l'attaque de mêlée, ce fameux drain d'énergie, va subir un très gros buff puisque son temps de rechargement va être fortement augmenté et en contrepartie, lorsque ce drain d'énergie sera activé, vous gagnerez un rechargement de moitié de votre grenade, donc c'est vraiment très efficace. Il n'y aura pas de changement en revanche au niveau de la bombe Nova. Et enfin, concernant le rite de l'orage, alors là c'est la partie où j'ai le moins suivi au niveau du live, je n'ai pas eu le temps d'écouter la totalité de ce qui a été dit. Alors je sais simplement qu'il y a eu un petit nerf au niveau de la transcendance, que le Electrostatic Mind a été buffé également en contrepartie, mais je n'ai pas plus d'informations. Donc je sais qu'il y a un petit quelque chose au niveau de la bulle du titan qui ne pourra plus aveugler, mais je n'ai pas compris ce qui s'est dit à ce moment-là, donc n'hésitez pas à me faire part de vos propres informations dans l'espace commentaire si vous en avez à votre tour. J'ai donc fait le tour de la totalité des nouvelles infos concernant la prochaine mise à jour de printemps.
événement du 12 avril. Donc j'espère que vous êtes tout comme moi impatients de voir ces changements en temps réel. N'hésitez pas à commenter, liker, partager comme d'habitude. Mettez-moi un gros pouce bleu sur cette vidéo si vous avez aimé. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde !